Bonjour Alain. Salut Giorgio. Je suis dans ma 87e année, donc je vais résumer, parce que sinon ça risque d'être long. Je crois que j'étais marqué très tôt dans mon histoire par la spiritualité, au travers des deuils. J'ai vécu des deuils très tôt dans ma vie. Et d'enfants de gens plus jeunes que moi ou du même âge. Ça s'est continué avec ma première fille. J'ai perdu 2 mois avant ses 17 ans. C'était un choc terrible dans ma vie qui m'a fait découvrir le centrage après la rencontre avec Durkheim. Et je partage aujourd'hui, quoi que je fasse avec les personnes qui viennent me voir, cette question d'être ancré avec la terre. Et quand on parle de nourriture, d'alimentation, c'est bien de la terre que ça vient. Et l'autre chose qui m'a marqué par rapport au thème du prana, c'est que j'ai connu l'alimentation entre 39 et 45, c'est-à-dire sous la période où on ne pouvait pas acheter 90 grammes de viande si on n'avait pas de ticket. Sinon, si on avait les moyens, on pouvait encore marcher noir. Mais j'ai fait 2 heures de marche pour aller quémander 1 ou 2 œufs dans une ferme. Et je n'étais pas le seul à faire ça. Voilà. Donc l'alimentation, elle a été inconsciemment présente dans ma vie très tôt, dès mon adolescence. Je me rappelle qu'à la Libération en 44, on échangeait les tomates contre des boîtes de cornet de bœuf avec les troupaliers. Enfin voilà, c'est des choses qui m'ont marqué. Et puis, j'ai pris 12 kilos après m'être engagé dans la marine en 6 mois et j'ai grandi de 7 centimètres. Ça, c'est des choses qui marquent dans l'histoire. Alors voilà, puis un jour, je suis devenu végétarien, puis j'ai été plus loin, j'ai intervenu beaucoup dans les entreprises et ma vie a été orientée sur l'écoute. L'écoute en soi et l'écoute de l'autre. Et j'ai créé le concept d'écoute dont je parle dans un de mes livres qui s'appelle l'écoute sesoram, ça veut dire centré en soi, orienté sur l'autre et le monde. Et voilà, l'essentiel aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis donc dans un engagement et une recherche continuelle. Je suis sensible à tous les aspects psychologiques, économiques, politiques. Alimentaire, écologique, moi je crois que j'ai déjà dit, physique. Et tout ça, ça amène à se poser des questions sur de quoi on se nourrit dans la vie, quoi. Et nous utilisons beaucoup de termes d'ailleurs par rapport à la nourriture, même dans la relation, quand on dit quelqu'un, celui-là, je ne peux pas l'avaler. Voilà. Donc, je me sens plus un chercheur, un homme de terrain, un homme de synthèse qu'un spécialiste. Quand j'étais une note, j'étais très sensible à la relation dans ma vie, dans la mesure où j'ai aussi été confronté sous l'occupation à me cacher avec une fausse carte d'identité et que quand on n'a pas les mêmes choix que les autres ou la même couleur, eh ben, la peur s'inscrit vite dans la vie. Et ça a aussi un rapport avec la manière de se nourrir. Beaucoup de gens se nourrissent de peur aujourd'hui. Et on compense avec autre chose. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour. J'ai sûrement pas tout dit, j'ai une famille, 2 fois, j'ai des enfants et des petits-enfants.
D'abord, mettons-nous d'accord, qu'est-ce que c'est que le prana? Ça n'a pas de sens si on ne dit pas. En fait, déjà, pour moi, il y a tous les synonymes de prana. On pourrait dire l'énergie, la libido. Dans les arts martiaux, l'aïkido, c'est le ki, le chi du tai chi. Et moi, j'étais beaucoup marqué surtout par le ki. J'ai fait d'ailleurs du kyudo, c'est-à-dire du tir à l'arc japonais, tir à l'arc zen. Et là aussi, j'ai fait une prise de conscience de ce que c'est que d'être ancré avec le corps entre terre et ciel. D'accord. Et donc, pour moi, on se nourrit tous de prana. On se nourrit tous d'énergie. Mais la grosse différence, en fait, ce qu'on appelle se nourrir de prana aujourd'hui, c'est se nourrir de prana conscient. Désolé, téléphone, j'espère que ça ne va pas trop déranger. On verra. Et c'est ça, parce qu'en fait, tout le monde se nourrit de prana. Ou tout le monde se nourrit d'énergie, si je prends des synonymes, ou de ki ou de chi, mais inconsciemment. Et en fait, quand on dit qu'on se nourrit de prana, on devrait dire « je me nourris de prana conscient ». En tout cas, ce qui me vient tout de suite, c'est que c'est important déjà de prendre conscience que nous n'avons pas la liberté de ne pas changer. De toute façon, nous changeons. Mais si nous le faisons en conscience, c'est-à-dire si nous prenons la responsabilité de notre changement, ça change tout. Parce que de toute façon, rien ne reste dans la vie comme si une pomme, elle pourrit ou elle mûrit, mais elle ne reste pas comme on veut. On peut la mettre des années au frigo, il y a un moment où ça va changer. Et pour le corps, c'est la même chose. Même si je décide de ne pas changer, physiquement, ça va se faire. Mais si je décide de le faire consciemment, ça change tout, parce que je peux orienter la direction du changement. Tandis que si je suis dans le changement inconscient, je suis orienté par les gens qui sont au pouvoir, par le système, par l'économie, par tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Mais de toute façon, je change. Et les gens qui sont dans la peur de changer sont dans l'illusion, parce qu'ils changent, mais pas comme ils voudront. Ils se retrouveront dans une réalité du changement qui ne sera probablement pas celle qu'ils ont programmée. Et je crois qu'on peut très bien changer. Moi, j'ai programmé de mourir vivant. Mais ce n'est pas du tout la programmation actuelle de la médecine. De vouloir mourir vivant, ce n'est pas rentable du tout pour les laboratoires. Mais c'est un choix de changement. Mais dans le prana, c'est la même chose. Si c'est un choix de prendre un régime diététique pour maintenir ma ligne et puis bien me porter, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Mais tôt ou tard, il faudra que je me pose la question autrement, parce que si je fais ça avec des produits pour maigrir, tout dépend encore là le choix que je vais faire. Si je le fais avec le système, la personne qui se nourrit déjà en bio et naturel est déjà dans un certain choix. Et moi, mon rêve, déjà, c'est pas que nous, tout le monde se nourrisse au prana, que ceux qui suivent cette voie-là, c'est déjà formidable. Mais si seulement déjà 10% des Français décidaient d'être végétariens, ben, ça serait un grand progrès. Et ça serait un gain sur le plan humain, ça serait un gain aussi vis-à-vis de tout ce système de viande, de traitement des animaux, des plantes, enfin de tout ça. Tout ça, ça fait partie des choix. Alors, je me suis nourri à 100% de 2006. 19 avril 2006 à janvier 2012, 80, on peut dire
100%, c'est pas vrai. C'est, disons 95%, parce que bon, de temps en temps, j'aime faire la fête, et puis j'accueille mes petits-enfants, et puis je suis content de manger du chocolat avec mes petits-enfants. Hein. Je vais pas me frustrer parce que je vis de prana. Je m'interdis pas de me faire plaisir. Et puis, là, j'ai vécu un choc initiatique au début de l'année qui fait que j'ai été malade, je me suis fait opérer de la cataracte pour mieux voir dehors. Et puis, la vie m'a invité à aller voir dedans à l'occasion. Et j'ai fait un voyage initiatique. Et depuis, j'étais très secoué physiquement à la suite d'avoir été en clinique, tout ça. Et j'ai ressenti le besoin de me réalimenter un petit peu. Mais disons que je suis aujourd'hui à... C'est difficile de donner un pourcentage. Je dirais comme ça pour donner une idée. Mais c'est pas bien fondé. Enfin, je dirais peut-être je tourne à 80%, je ne sais pas. Mais mon choix, je sais que... Petit à petit, là, je suis en train de me restabiliser, j'ai de plus en plus de nouveau, je me sens bien, de plus en plus physiquement. Et je compte revenir à l'expérience que j'ai déjà faite, mais peut-être avec une autre conscience. Parce que ça m'a fait faire des prises de conscience, de revenir un peu en arrière et puis de repartir. Et puis, de toute façon, ce qui est merveilleux, c'est que c'est déjà d'avoir en soi la certitude qu'il n'y a pas besoin de manger pour vivre. Je ne dis pas pour survivre. Hein, je parle de vivre. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui survivent, disons, en vie consciente. Et puis, pour moi, c'est un espoir extraordinaire avec tout ce qu'on est en train de programmer pour la Terre aujourd'hui. Ça n'a pas de sens que les gens crèvent de faim. Ça n'a pas de sens quand on a pris conscience de cette réalité en soi. Je bois de l'eau, je bois des tisanes. Oui, j'ai de la peine, peut-être, je fais l'hypothèse que c'est peut-être en fonction, parce que j'ai démarré tard. Je souhaite que les gens démarrent beaucoup plus jeunes que moi. Je suis devenu plus frileux parce que j'ai perdu des kilos de graisse, hein, qu'avant, même si j'étais pas très gras quand j'ai commencé avec Jésus-Christ, je faisais 71, 72 kilos. Je trouvais ça normal puisque je faisais 1,70 m hein, dans les normes. Mais au processus d'achouri, j'ai lâché 16 kilos. Je suis retombé au poids que j'avais à 18 ans sous l'occupation, 52 kilos. Et aujourd'hui, je tourne entre 57, 58, 60. Donc j'ai plus la couche de graisse que j'avais quand je faisais 1,60 m, quand je faisais 70 kilos, ce qui n'était pas. J'étais pas gras. Hein. Mais bon, le fait est, c'est que je suis plus frileux qu'avant. Je sens que, bon, ben c'est la réalité physique d'aujourd'hui. Moi, je suis plus frileux qu'avant. C'est pas un plus par rapport à la nourriture pratique. Moi, je réserve le terme alimentation dans mon vocabulaire parce que c'est une convention. À tout ce qu'on achète chez l'épicier, qu'on achète en bio ou en grande surface. Sinon, je ne parle plus d'alimentation, je parle de nourriture. Et la nourriture et l'alimentation rentrent dans une nutrition, une manière de se nourrir. La nourriture étant un terme global déjà, puisque la nourriture englobe pour moi l'alimentation, mais c'est aussi le coucher de soleil qui est... J'utilise un mauvais terme, il faut que je me reprenne parce que
lorsque le soleil disparaît à l'horizon. Je vais expliquer peut-être pourquoi je dis c'est un mauvais terme, parce que je m'entraîne aujourd'hui à parler avec la réalité. Alors, en réalité, nous allons vers le soleil, nous allons vers l'ensoleillant, et puis nous quittons le soleil le soir. Mais quand nous disons le lever et le coucher soleil, C'est nous nous qui parlons comme couchons. les Égyptiens, il y a 5000 ans, qui croyaient que la Terre était plate. On n'a encore pas évolué sur le plan du langage à ce niveau-là. Il serait temps. Même moi, en étant conscient, tu vois, je me reprends, c'est pas évident d'arriver à s'exprimer par rapport à la réalité. Enfin, ce que nous percevons avec nos moyens comme la réalité. Donc, pour revenir à l'alimentation, je la réduis, moi, à ce qui est concret. Hein, voilà. Et puis, la nutrition, pour moi, je dirais, ce serait la science sur la bonne manière de se nourrir qui comprend l'alimentation. Ainsi, lorsque j'écoute du Mozart, je me nourris. D'ailleurs, on a fait des expériences avec les plantes, par exemple. Quand on leur fait écouter la musique, ça agit sur leur manière de grandir. Si on a fait, par exemple, des expériences avec des pensées qu'on fait pousser avec de la musique rap, elles poussent à une rapidité terrible, mais elles n'ont presque pas de racines et elles tombent très rapidement, elles meurent. Si on leur fait écouter de la musique classique, elles vont prendre beaucoup plus de temps pour s'enraciner, mais elles vont grandir, s'épanouir, elles resteront enracinées. Voilà par exemple, par rapport aux plantes. Donc, on sait que la musique agit sur les plantes. Pourquoi est-ce qu'elle n'agirait pas aussi pour nourrir les hommes? D'ailleurs, on sait, si on se déplace quand même, les gens qui sont conscients, qui vont au concert, ou même qui écoutent un CD, enfin, c'est une nourriture. Quand je vois sourire un de mes petits-enfants, c'est un cadeau de la vie, c'est une nourriture. Et donc, je pourrais dire que une mauvaise éducation, c'est à la limite une mauvaise nutrition. Et donc, nous réduisons la nourriture à une portion vraiment réduite qui nous capte. On réduit ça à l'alimentation, alors que tout le monde, sans entraînement, peut vivre 2 jours sans manger. Mais un quart d'heure sans respirer, personne. Et on se ferait que pas de respirer d'ailleurs, on se préoccupe tellement peu qu'on est en train de se polluer l'air. Alors que c'est fondamental, les vacances à la montagne ou au bord de la mer, enfin, suivant les choix, c'est un moment où on devient vacant, donc ouvert, et on se nourrit. Voilà, et c'est un terme beaucoup plus vaste quand on commence à en prendre conscience, après on prend conscience aussi de l'importance de l'environnement, etc. Et l'environnement nourrit. On a remarqué, par exemple, je me rappelle, j'ai lu ça dans le temps, que par exemple, que les Chinois qui vivent dans des pays où les gens, comme en Occident, n'ont pas les yeux bridés, à la longue, ils changent De pas morphologie. de morphologie. C'est du mimétisme. On peut appeler ça comme on veut, mais n'empêche que il faut bien qu'il y ait quelque chose qui le nourrisse. L'alimentation, c'est une petite partie qui est devenue d'une manière abusive, qui a pris toute la place de la nourriture, alors que la nourriture est beaucoup plus vaste que l'alimentation.
Mais ça fait marcher le système, ça fait gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle la fin. Les seuls vraiment souvenirs ou d'avoir eu faim, c'est quand j'étais adolescent sous l'occupation. Là, j'ai eu faim. Et on était bien dans la croyance qu'on était sous-alimenté. Je dis bien la croyance parce qu'en fait, on n'était pas sous-alimenté. Mais ce qui nous alimentait, sous-alimentait, en fait, c'était la peur, l'angoisse et la haine dans laquelle on vivait. On était sous-alimenté quand on était en train de voyager, qu'on ne pouvait pas s'exprimer librement, même avec son couple, parce qu'il y avait une oreille ennemie qui écoutait là. Et qu'il ne fallait pas prononcer un nom propre de quelqu'un d'autre qui était dans la résistance. Il y a combien de gens bêtes et gentils qui ont fait déporter des résistants simplement parce qu'ils étaient inconscients quand ils voyageaient dans le train. Voilà, je ne sais pas pourquoi je me mets malade quand je te dis ça, mais bon, il y a quelque chose qui me touche. J'ai oublié ta question. Ben moi aussi. Non, c'était « As-tu faim ?» Voilà, ben j'ai faim de justice. Oui, de vérité. J'ai faim... De vérité. De vérité, j'ai faim d'amour. Et je pense que la vraie faim, c'est celle-là. Combien de gens mangent parce qu'ils ne rencontrent pas l'amour. Et bon, il y a l'amour sur le plan affectif, mais il y a l'amour sur un plan aussi plus vaste. Moi, j'ai dans mes groupes de gens par là, j'ai des personnes qui sont venues après travailler en psychothérapie avec moi. Mais en réalité, ils n'étaient pas du tout motivés pour ce repas-là. En fait, parce qu'ils n'y arrivaient pas, parce que... sur le plan de la sexualité, la personne était en demande et son compagnon ne répondait pas. Et la compensation venait en mangeant. Et quand on veut diminuer sa nourriture parce qu'on n'a pas conscience que quand on mange, on est en train de compenser, c'est un faux problème, c'est plus la recherche du prana. Il faut déjà aller chercher la nourriture affective. Et combien de ce qui me vient tout de suite, je me demande s'il n'y a pas beaucoup de graisses qui sont à l'origine de la production du monde d'amour. Du manque d'affection. Et donc, quand on va parler de pranala, ça n'a pas de sens. Déjà, il faut clarifier, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des sources de nourriture préférées? Enfin, quelles sont-elles? S'il y en a qui te nourrissent plus aussi dans le concret. Voilà, il y a quelque chose qui me manque actuellement le plus, c'est de danser. J'aime beaucoup danser, j'anime des danses sacrées. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de stage d'animation de danse sacrée. Les gens me paraissent pas très motivés à l'heure actuelle, mais je prends mon pied et je suis très heureux quand je danse. Et puis bon, ma fille a pris le relais d'ailleurs aujourd'hui, elle anime des danses folkloriques, des danses, etc. Et voilà, ma nourriture, voilà, regarde, c'est beau ça.
Je n'ai pas besoin de manger ces pommes, elles me nourrissent à les regarder. Je serais content de les donner. Bah, m'occuper de mes hortensias qui sont là-bas dans le fond. Regarde, regarde et puis respire ça. Ça nourrit pas ça? Ah, puis celle-ci ici, là. Allez, un petit zoom. Les hortensias. Sont ma chérie. Ça fait des années qu'ils sont là. Des années. Regarde, moi j'ai des plants de tomates, mais je vais les donner. Oui. Et puis, j'adore les colibris, tu sais, je fais partie des colibris. Là, il y a plein de figuiers, là, que je vais aller planter dans le midi, là. C'est pas pour ici. On atterrit. Waouh! Ça, c'était un voyage pranique! Bon, ok. Donc, oui, tu as plein de sources de nourriture préférées. C'est... Hein? Tu as plein de sources de nourriture préférées. Bah oui. Les fleurs, la danse. Et finalement, est-ce que vivre, c'est pas se nourrir déjà? C'est... Je parle pas de survivre. Finalement, c'est un miracle de vivre. Le miracle continue. Ça se suffit en soi. Ben oui. Être vivant. Ouais, ouais, c'est... Incarné sur Terre. Quel cadeau. Et alors maintenant, avec les scientifiques, heureusement qu'il y a une vulgarisation, parce que je ne suis pas un scientifique, donc je ne connais pas toujours le langage, mais je suis sensible aux découvertes qui sont faites. Et on sait aujourd'hui que ben c'est nous qui créons cet environnement. J'écoutais une conférence de Philippe Bobola. Pour lui, il n'y a pas de catastrophe physique. Il n'y a que des catastrophes psychiques. Hein, il parle du tsunami ou des trucs comme ça. Ce sont des catastrophes psychiques. C'est un physicien qui parle. C'est pas un théologien. C'est les conséquences physiques de projections de millions de gens qui sont pris dans le système. Voilà. Ben, pour ma petite part dans ce corps, j'ai à me nourrir d'une manière juste pour participer à une évolution positive sur la Terre. Ça n'a pas de sens uniquement pour ma peau. Et maintenant, petit à petit, je me rends compte que de vivre pour soi, c'est une époque où ça n'a plus de sens. Enfin, ben j'ai été très marqué par cette prime. Là, quand il... J'ai envie de vivre ce qu'il appelle le grand sens. Termine le grand sens en disant, bah, tu es là, tu es là, tu es là. Dieu est en nous. On pourrait dire, le prana est en nous. Et ça prenne. Un gars extraordinaire. Alors lui, il sait ce que c'est que de tenir en n'étant pas alimenté. Hein. Quand cette prême, il a entendu pendant 500 jours le bruit des bottes venant à côté de sa cellule en se demandant si c'était ce jour-là, c'était pour lui. Tout le monde ne connaît pas ce qu'était sa prême. Sa prême, c'était un surnom. C'est un résistant breton qui était ramassé en 1942 par la Gestapo suite à des dénonciations. Et il est sorti, on l'a sorti d'un camp, je ne sais plus si c'est Auschwitz ou lequel, à la libération, à 22 ans, pesant 18 kilos, avec le typhus. Bon, bah après,
Cet après-midi, quand il s'est nourri dans sa vie, il n'a pas fait de la diététique. Hein. Il est allé voir Mère, il est allé voir chez Aurobindo, il est allé voir des gens comme ça. Et pour lui, le sens de la vie, c'était pas d'équilibrer les calories. Hein. Exactement. Voilà. Et pour Sri Aurobindo, l'être humain, c'est un être de transition. Et pour moi, dans ma croyance actuelle, qui rejoint un peu le couple québécois qui parle de la race de cristal, il y a eu plusieurs homos sur la Terre, hein, il y a eu le Cro-Magnon, il y a eu le Néandertal, aujourd'hui il y a l'Homo sapiens, mais ce n'est pas le dernier modèle. Et les grands temps, il y en a un autre qui arrive avec un peu plus d'amour. Hein. Voilà, c'est ça. C'est... Et je me sens, disons, un précurseur. Mais si, comme je l'espère, notre humanité va trouver la conscience d'évolution juste, et ben nos petits-enfants auront autant d'estime pour nous qu'on en a pour les anthropophages sur notre manière de nous alimenter. Et d'ailleurs, on continue d'être anthropophages, pas sur le plan alimentaire, mais quand on voit ce qui se passe dans le monde, ceux qui sont en train de pomper là, les quelques personnes qui possèdent les trois quarts de la... J'ai plus les chiffres en tête, mais je les ai quelque part, je pourrais les retrouver. Les richesses du monde pendant que des milliers crèvent de faim. Et les médias distribuent la peur. Ça, c'est une alimentation. Ou une forme de nourriture pervertie. Là, je te fais une démonstration. Ça n'a pas changé, mais ça continue. Par exemple, il y a 87 ans. Voilà. En sachant que on est le soir, nous nous sommes rencontrés ce matin très tôt. Et que déjà, je t'observais faire des exercices de yoga. Alors, ce qu'il y a, bon, disons, j'ai quand même pas tout à fait le même souffle qu'avant, parce que je suis dans ma 87e année, mais ça va, quoi. Je peux danser, hein, je peux valser. Je pense que dans ma croyance, voilà, c'est ça, de continuer d'être vivant, quoi. Et je sens que ça marche avec la foi. Hein, il y a un moment, j'ai formé des accompagnants de fin de vie et des soignants à l'écoute et à la relation. Et un jour, dans l'association où je me trouvais, que j'ai quitté en partie à cause de ça, ils ont fait une exposition pour sensibiliser à la vie les enfants au deuil. En soi, c'était très très bien. Et il y avait une espèce de tunnel qui représentait qu'on passait dedans, qui représentait avant la naissance. On arrivait, puis il y avait un jeu de loi sur lequel on représentait des cases avec ce qui arrivait dans la vie pour... Et puis il y avait un endroit où je trouvais que c'était très bien, les enfants pouvaient écrire à leurs parents qui s'avaient perdu des choses, des deuils qu'ils n'avaient pas fait, et pouvoir s'exprimer, ce qu'ils n'avaient pas pu faire, etc. Et puis la dernière période de la vie, c'est là où j'ai claqué la porte et j'ai fait scandale. On apprenait à des enfants, parce que c'était aussi, il y avait des enfants là, on leur apprenait à terminer la vieillesse, c'était avec des béquilles. On boitait, on imitait avec des masques, etc. C'était la représentation de la vieillesse.
Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on est en train de programmer ? C'est ça. Alors, ça fait... C'est... Ça permet de vendre des pillules anti-âge. C'est ça. On crée le besoin vendre la solution. On normalise déjà des enfants en disant, voilà, bon, bah, pépé, quand tu seras, ça sera là, avec la tremblotte et puis avec des bêtises. Non, là, il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Alors, je crois que, en dehors du fait de l'orientation prana, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, pratique beaucoup de gens, sur le plan physique, sauf que, je l'ai fait à une époque, on voit les gens qui courent le matin, etc. Et ça, c'est de la... Je l'ai pratiqué, hein. Mais aujourd'hui, pour moi, ça, c'est un peu la maîtrise du corps. C'est on dresse, voilà. On dresse le corps, c'est la maîtrise pour atteindre des objectifs, etc. Tandis que ce que je fais physiquement aujourd'hui, c'est pas ça. C'est déjà respirer consciemment, retrouver des détentes, entretenir finalement le physique, mais avec une autre conscience de la respiration. On est déjà déformé à l'école. Ou qu'est-ce qu'on apprend comme respiration à l'école ? On apprend une respiration de compétition. On travaille ici, dans les côtes, et c'est utile pour piquer un 100 mètres. Mais tout l'équilibre qui est entretenu par la respiration, c'est au niveau du diaphragme, la souplesse du diaphragme. Et au niveau du diaphragme, il y a des centres nerveux qui sont essentiels. Et quand c'est bloqué ici, c'est ce qu'on appelle la schise. Et Carl Friedrich von Durkheim, je dis tout ça parce qu'il y a un autre Durkheim français, c'est pas le même. Donc Carl Friedrich von Durkheim disait que les schizophrènes, eh ben, ils étaient bloqués là, point de vue respiratoire. Ils ont la schise. Et la schise fait que les 3/5 des poumons ne sont pas développés, et que les 3/5 des poumons sont en dessous des côtes. Et quand on ne respire pas à ce niveau-là, c'est très difficile de s'ancrer sur terre. En fait, tout le monde, je vais peut-être faire une démonstration, tout le monde est centré quelque part. Bon, par exemple, le cérébral, voilà, le cérébral, alors moi, si je suis centré en cérébral, je vais continuer de te parler comme ça. C'est une erreur de prana, n'est-ce pas ? Si on y réfléchit quelques instants, c'est, quand je te parle comme ça, je suis là-haut, je suis dans un centrage là-haut. Et puis, tu as un autre centrage dans notre culture, qui est ce qu'on trouve sur les terrains de sport. Le centrage, il est là. Voilà. Ça, c'est... Il faut avoir des biceps. Voilà. Centrage. Centrage au niveau ici. Au niveau émotif. Et puis, tu as un troisième centrage, qui est le centrage à l'oriental, qu'on trouve dans les arts martiaux. C'est King Kong. C'est là que ça se passe. Le septième dan. Alors, je ne dis pas qu'ils sont à un mètre, n'est pas comme ça. Mais il y a des septièmes dan que j'appelle, que je considère comme des techniciens, mais pas des maîtres. Et alors, quel est l'ancrage qu'on a trouvé qui est juste ? C'est un alignement des trois centres. C'est ça l'ancrage. Et spirituellement, et aussi dans les motivations d'évolution, de formation humaine, les gens mettent la priorité ici, ou là. Et
ils décollent. Ce sont des spiritualités qui n'ont pas les pieds sur terre. Alors ça, moi, je m'en méfie beaucoup. Et ça a commencé à se manifester dans l'histoire humaine au moment de la Renaissance. Au moment de la Renaissance, on a vu tous les saints qui ont commencé à être comme ça, avec une assiette là autour, là, l'auréole. Ils étaient coupés là au niveau du corps. Et jusqu'à la Renaissance, au Moyen-Âge, les Christs dans les bas-reliefs, ils étaient ancrés. Et les saints qu'on représentait, ils étaient ancrés. Et après le 15e, alors ça a donné tout le développement des Lumières, hein, puisqu'on a développé le cerveau, etc. Mais en abandonnant les fonctions d'intuition, de sensation qu'on a laissées aux artistes, c'est pas les gens sérieux. Aujourd'hui, c'est... Voilà. Et ça, c'est à récupérer. Parce que la voix intérieure, elle se repose pas sur la capacité mathématique de résoudre les sciences. C'est l'intuition, c'est la voix. Pour Jung, c'était Dieu, l'intuition. La petite voix, enfin, on peut appeler ça comment. Voilà, ça me paraît important. Et pour moi, c'est... Dans mon histoire, je pense que c'est l'étape qui m'a conduit au prana, qui m'a permis de gérer autrement. Parce que quand je suis ancré, ben, je ne perçois plus le monde de la même manière.